Je suis sur le littoral nord du port. Le parcours de santé qui commence à peu près vers le port là-bas. Et donc il y a toute la ligne comme ceci, bétonnée, qui continue sur 800 mètres et qui se termine là-bas derrière. Ça continue. Alors moi j'ai l'habitude de monter sur cette colline là pour filmer d'en haut. Et on a une vue sur le littoral donc. Voilà, notre souci, c'est le coucher de soleil ici même. Le coucher de soleil, disais-je. Et là, la continuité du chemin sur lequel on va. Et là, cette petite colline où je monte de temps en temps pour filmer. Et allons-y. J'ai levé la tête et puis il y avait un filao avec ses graines là. Ça m'a donné vraiment envie de le prendre sur le ciel. Direction de l'ouest. Going west to the sun. Je suis pas le seul à aller vers l'ouest. Nord de santé. Là, il y a un petit angle sympathique là. L'endroit, alors certains courent en contrebas. Et là, ça continue vers la fin, comme ceci. Et là, il y a le littoral, comment dirais-je, galetteux. C'est les galets. Bon, il y a quelques solitaires qui s'aventurent. Comme les portiques l'indiquent. Alors les deux routes là se rejoignent, celle qui était en contrebas et celle qui est vers moi, voilà, se rejoignent ici. Et en fait, voilà, on va vers le soleil là-bas couchant. Là c'est Holcim, la compagnie cimentière. Et là une entrevoyure de la plage, de la végétation. Terminer dans les nuages. Voilà le parcours effectif de santé sur le littoral qui continue là-bas. Et en fait, moi je vais vers l'autre côté. Je vais essayer de faire un petit tour. Voilà, je vais continuer là. C'est fini le littoral de parcours de santé. Là. On va vers la SRPP. Et toujours notre soleil couchant. Et là, on se trouve dans une zone industrielle. Voilà. Avec le chemin qui amène du port est au port ouest. Voilà, là-bas le port est et de l'autre côté le port ouest. Je suis monté sur une petite éminence qui domine un peu à la fois le littoral. Et le parcours santé. Alors, les roues, là, une partie de la ville du port derrière. Et là, donc, nous, on va marcher. Ici, c'est Holcim, le soleil couchant, la SRPP. Bon, là, c'est mon éminence, sur quoi je suis monté. Et on retrouve l'océan Indien, plage de Galets. La route qui conduit du port est au port ouest, là
ces camions vont vers le port ouest qui se trouve là-bas derrière, c'est là où on va. Ouais, comme j'y suis, une rapide vue de la plage d'en haut. Ouais, je suis à 20 mètres, même pas, je sais pas. Voilà, en fait, j'étais là-haut, je suis redescendu de ma colline. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a une route bétonnée, mais qui ne conduit plus nulle part. Elle a été bouffée par l'usure de la côte. Alors l'autre côté, c'est là. Ouais, ça conduit là-bas. Nous, on va toujours vers le soleil. Alors vers le soleil, disais-je, nous avançons. Alors, nous arrivons vers la SRPP, là. Les cuves. À des chemins un peu cassés, si on peut dire, parquage. À le bord de l'océan, il y a une habitation tout dit bidonville. Voilà là d'où on vient. Voilà, là, c'est les installations cimentières d'Olcim, ici même. La cimenterie, soleil, cuve. Voilà, nous on va là-bas. Voilà ce chemin un peu cassé d'où on arrive. Alors on revient un peu sur les installations. C'est Olcim, le balai des camions d'Olcim. Et là j'ai laissé un petit peu de soleil derrière cette cuve. Nous on va contourner tout ça. Alors là en fait, voilà les tétapodes. Il y a plusieurs chemins. Là je vais prendre le chemin juste ici qui descend. Voilà, j'ai un petit chemin. Là il y a une petite descente par ici. Là je vais prendre, c'est des chemins caillouteux qui nous conduisent vers les tétrapodes, le chemin bétonné qui nous contourne là-bas derrière. Notre objectif, le soleil, mais en attendant on ne va pas rater les occasions de voir d'autres vues sympathiques, telle cette houle sur tétrapode. Alors là on regarde de nouveau vers le nord, la route corniche. Merde. Le porès qui est là, mais je peux pas en faire mieux. Alors Léo, là c'est illuminé de la possession. Alors donc ici même, la SRPP, des chemins bétonnés, SRPP, voilà. Nous on va suivre le chemin bétonné ici présent là-bas. On va longer. Mais là on va quand même remonter sur les tétrapodes, juste un peu plus loin là. Bon là je vais vous montrer où je suis sur d'autres tétrapodes. Là c'est mon tour. Je suis grimpé par ici, par ce petit tétrapode. Je vais redescendre, j'espère, sain et sauf. Allez, on va terminer comme ceci. Là c'est le milieu aussi. Un mur de tétrapodes. C'est assez haut. Je suis passé en retrait pour... Ça en fait des milliers de tétrapodes. Allez, on avance un peu. Allez, on va se monter sur d'autres tétrapodes. C'est mon point habituel. Voilà. Alors là, c'est des bouées qui sont coincées depuis hier que j'ai vu ça. Enfin, nous, on regarde un peu la houle. Et en fait, le soleil, il est derrière le nuage, là, mais à mon avis, ça va sortir. Donc, on peut espérer voir le soleil couchant. Tout à l'heure, autrement, ben, Tétrapode & Co, quoi. Enfin, pardon, SRPP & Co. Mon Harvey, je vais pouvoir voir le soleil sortir là. Mais je vais le prendre de là-bas au fond. Vous voyez ? Trop loin là-bas. Alors là, c'est le dernier regard sur le port est. Voilà, il y a des promeneurs sur les lignes diverses. Moi, c'est sur le chemin bétonné que ça va aller.
Je viens d'ici, et le temps de venir d'ici, le soleil est sorti. Alors je vais monter un petit peu sur cette trapode là pour voir un peu l'océan. Et voilà, je filme et après j'irai vers le port ouest, par là-bas. Voilà, toujours à côté de la SRPP. Oh, la belle bleue! Surtout le soleil et la houle. Là, je suis sur ma ligne de tétrapode. Bon, je suis pas bétonné. Mes nuages. Voilà, et là-bas, le port ouest. Et donc, en contrebas, lui, il est en passe de descendre. Hein. Le soleil va se coucher. In memoriam, Helios, 10 février 2015, 19h-3. Allez, on termine dans le couchant. Mais on va pas rater une vague. Ah ouais, bon.